Bonjour, mon nom est François Pellerin, je suis chef en Montérégie et je suis ici pour vous présenter une recette à base d'asperges. Alors, pour la recette d'asperges grillées vinaigrettes, il nous faut 20 asperges, une demi-cuillère à thé de graines de sésame grillées, 3 cuillères à table d'huile de pépins de raisin, une cuillère à table de vinaigre de cidre, 20 g de fromage parmesan en copeaux ou râpé, sel, poivre rose moulu et entier. Notre début de saison, juin, et mai nous amène justement un excellent produit qu'on trouve au Québec, qui est un très bon producteur, les asperges. Quand j'achète des asperges, j'essaye toujours de trouver l'asperge avec le seau. Ce qui va déterminer aussi mon choix vraiment d'achat, c'est la qualité et la fraîcheur. Donc, on voit ici, on a des belles asperges, un beau calibre, ce qu'on retrouve ici en début de saison estivale. Et souvent, on va penser que les petites sont plus tendres, et plus savoureuses, les grosses sont beaucoup plus savoureuses. Donc, la fraîcheur, justement, est un prérequis dans la réussite de votre recette. Alors, je vais prendre mon petit bunch d'asperges et je vais aller le déposer sur le grill tel quel. Alors, mes asperges, une fois bien grillées et cuites, pour s'assurer encore de la tendreté que vous désirez ou que vous recherchez, vous pouvez en prendre une et la croquer. Une fois que vous avez cette tendreté, mais il faut éviter la surcuisson. Sinon, vous aurez une purée où vous allez perdre en saveur beaucoup. J'ai sélectionné des vinaigres. On est en Montérégie. Montérégie, c'est le jardin du Québec. Alors donc, on a une abondance de produits, de matières premières et transformées. Ici, j'ai un excellent cidre, celui de Pierre Gingras, qui est un cidre vieilli en fût de chêne. Alors donc, qui vient de Rougemont. Et j'ai sélectionné un vinaigre de pépins de raisin de Marie-Michel de Chambly. Alors, donc, on va dans des dosages de 1 pour 3, c'est-à-dire un vinaigre pour 3 huiles. Pour la présentation finale, on va déposer un petit lit de laitue, nos asperges. Je vais arroser de vinaigrette, nos graines de sésame grillées que j'ai grillées préalablement, sel, poivre, poivre rose et mes copeaux de Parmigiano Reggiano, un bon parmesan. Le pavano peut faire l'affaire aussi. Petite tomate en décoration. Et vous avez une excellente entrée de saison.